Voilà, mesdames et messieurs, nous retournons à propos de là, nous rappelons l'autre fois encore sur télé Anacaona, on va suivre TATV Sport avec votre serviteur Delva Blanc, Delva Calcio, Pomboule. On va très rapidement dans le développement information, on va commencer avec le football, on va prendre du côté de la France pour nous parler bien sûr de la Ligue 2 et performance de notre cher Grenadier. D'abord, Dukens Nazon qui est attaquant vedette, équipe Kevili Rouen Métropole là, a recevoir AS Nancy. Nancy c'est ancien club Jeff Louis, équipe Rouen bat formation Nancy en 2-1. Pourtant c'est l'équipe visiteuse qui était ouvri score lors de la 3e minute de jeu par l'intermédiaire de Thiam. 3e minute de jeu, Thiam va le battre. Call qui perd Rouen, voilà, un tir au second poteau. 3e minute de jeu, 1 pour AS Nancy, 0 pour Rouen Kevili. Et puis suite à ce corner, mesdames et messieurs, la reprise de tête imparable de Sissoko, 9e minute de jeu. Ça fait un partout entre Kevili, Rouen Métropole et AS Nancy. Nous voyons du Kelsinazon 2-9 là. Il a le fêté goal là. Superbe coup de tête décroisé, déclenché par Sissoko. Ballon alterminé Kousli dans 2e poteau. Un but partout, 9e minute de jeu. Donc c'était bien sûr score à la mi-temps. Et puis, mesdames et messieurs, en 2e période, Dukens Nazon, Rouen Kevili prend contrôle situation et Dukens Nazon pour marquer le but de la victoire. Là, ça c'est la 2e mi-temps. Oui, et nous prenons justement le but de Dukens Nazon, notre compatriote. Voilà, une attaque de équipe Kevili. Ça n'a pas beauté grand-chose. Ballon est allé dans le décor. Faut nous préciser tes gagnants ont puis et battant sous Rouen, bien entendu. Et suite à ce centre, Dukens Nazon, nous avons Pandovani qui était dans les parages, était capable et en quelque sorte eh bien marqué contre Kang, mais heureusement pour l'équipe et Rouen, ballon est passé à côté. Et puis la passe en profondeur, Dukens Nazon dans ses œuvres, on nous suit bien, Dukens, la fête, contrôle, frappe du gauche, superbe frappe du gauche déclenchée par Dukens Nazon, notre compatriote, superbe but marqué par Dukens Nazon. Voilà, dans le salut public là, on garde encore une fois la fête de Dukens, dribble vers l'intérieur et l'enchaînement du coup du pied gauche en pleine lucarne. Encore une fois, nous réapprécions Dukens Nazon dans ses œuvres et sa frappe allait terminer sa course bien entendu au fond des filets. Ça fait 2-1 en faveur de Kevili Rouen qui gagne le match là 2-1. Donc Dukens Nazon en très grande forme actuellement permet Rouen remporter les 3 points de la victoire. Et puis mesdames et messieurs, gagne équipe Guingamp qui était en déplacement la CAI Toulouse. Toulouse c'est le leader de la Ligue 2. Guingamp fait match nul 2-2 partout et c'est Franzi Pierrot, notre compatriote, qui démarquait premier goal de Cotland à la 26e minute de jeu. De l'autre côté, gagné Agi Auxerre qui fait match 2-2 partout avec Caen. Et bien, dans le match, ça, Kalens Akus, l'autre Grenadier, il était joué les 90 minutes, mais le match là terminé 2-2 entre Auxerre et Caen. Et puis, l'autre match qui était gagné toujours, gagné Amiens qui a joué contre USL Dunkerque. USL Dunkerque, c'est équipe à Leverton. Malheureusement, USL tombé 3-0 la CAI et Amiens. Leverton était titulaire, mais M. Dabral s'est déplacé à Azenpo à la 77e minute de jeu. Et puis, il y a Paris Football Club qui bat Bastia de Johnny Placide 1-0, mais Johnny Placide est passé toutes 90 minutes là sur le banc des remplaçants. Classement après 17e journée de la Ligue 2. Toulouse, leader compétition à 33 points. Et puis, Agi Auxerre qui c'est équipe compatriote nous, Kalens Arcus, leader 30 points en 4e position. Et puis, Guingamp, l'équipe de Franzi Pierrot, se trouve en 10e position avec 21 points. Et puis, Kevili, Rouen Métropole de Dukens Nazon, 13e avec 20 points. Bastia de Johnny Placide, 18e avec 18 points. Et puis, USL Dunkerque de Leverton Pierre se trouve en 19e et avant-dernière position avec seulement 16 points après 17 journées de compétition. N'a pas rappelé chose, ça c'est un courtoisie de PP Dry Cleaning 14135 Nord-Ouest 7e Avenue, notre Miami, téléphone 786-315-82-54. N'oubliez pas de revenir dans PPA pour demander pour que ma Snaïka ait fait une transfert pour les familles Haïti. Intim Financial Services, M. Yves Gistainville, champion, nous a fait traiter dossier ARS. Pour plus d'informations, appelez-nous dans 305-206.